jour, un beau jour viendra, qu'on ait mis à disparaître. Le monde de la musique béninoise est en deuil depuis quelques jours. L'artiste Chromimbo du célèbre groupe La Panthère Noire est décédé tard dans la nuit du lundi 5 juillet au mardi 6 juillet 2021. L'homme qui était affligé d'une maladie chronique a succombé. Triste nouvelle pour les mélomanes. C'est une perte cruelle que le monde du showbiz vient d'enregistrer. C'est des choses qui arrivent, nous sommes tous appelés à ne pas passer par ce chemin. Mais franchement, c'est dur. Paix à son âme. Mais paix à son âme, au fait, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. D'autres disent RIP. Comment vous appelez ça? C'est en anglais ou bien en français là? Non, il y a wablé quoi, c'est RIP. Je voudrais juste dire ceci. Que Dieu nous préserve et que le Bénin musical prennent conscience. Mais que retenir de l'artiste? Chromimbo me rappelle ce guitariste-là qui quand même arrange et qui donne une certaine rythmique à ce rythme qui nous a porté. C'était l'une des figures inoubliables du Soyoyo, de la Panthère Noire. On a organisé un face-à-face Gébé original, la Panthère Noire. Et c'était pendant la préparation que j'ai vu l'humanisme de ce monsieur. J'ai vu comment est-ce que ce monsieur était gentil. J'ai vu comment est-ce qu'il faut approcher. Franchement, parmi tout le groupe, il n'était pas celui-là qui me jouait la star. Et moi, j'ai beaucoup aimé son côté viveur, son côté créateur. Chromimbo, quand il entend, par exemple, une orchestration, là, tout de suite, il a tendance à apporter de l'ambiance, tout de suite, il est beaucoup plus dans les animations. Vous voyez un peu, quand on dit prrr, ou carrefou, montoi, on oublie. Et donc, tout le monde dit, fokpa, bini, dialo. Mais voilà, ça, c'est les trucs que Chromimbo aime. Quand on dit, à mon sekouan, à mon alada, alada, et nous, mon huegbo, à mon huegbouan, à mon sekoué. Il a l'habitude de rimer. Parce que les cris de Robertson Sipa, quand vous écoutez, oh, Kabliko, Dieu, tout ça, là, là. Chromimbo est dedans, il fait beaucoup. Oh, oh, Kabliko, Dieu, si ma demande appelé mon entoupo, si sou, si oué, tété, kazoumé, dosou, tosi, pocha. Avant sa mort, l'on se rappelle, il y a quelques jours seulement, des photos de l'artiste dans un état critique ont circulé sur les réseaux sociaux appelant à l'aide en sa faveur. Cela n'a malheureusement porté ses fruits puisque la mort a finalement eu raison de lui. Chromimbo a rejoint l'au-delà, photo de Moigne. Moi, quand j'ai appris le décès de Chromimbo, ça ne m'a pas étonné puisque quand il a commencé par avoir des ennuis de santé, je fais partie des tout premiers qui ont lancé la lettre pour dire « Chromimbo est malade ». Je trouve que c'est un peu triste parce que l'état dans lequel Chromimbo est parti, non, ça nous a froissé. On voit un artiste au bord de la voie, on attend sur les réseaux sociaux « Chromimbo est malade ». On publie des photos dans des conditions qui ne sont pas bien. Et voilà un faiseur du Soyoyo qui est sur des réseaux sociaux comme ça. C'est un peu dommage et c'est triste quand on finit de cette manière-là. Mais on poserait la question de savoir la faute est à qui. Je dirais simplement que la faute est à nous, la faute est à lui, la faute est à tous les autres qui pouvaient lui donner la main en ce moment, qui pouvaient lui apporter assistance et n'ont pas pu le faire. Plus loin, les acteurs culturels ont profité de cette triste aubaine pour appeler à une prise de conscience dans le rang des artistes. Mais nous n'allons pas nous mentir aussi, puisque il y a aussi une responsabilité au niveau des artistes aussi. Parce qu'on fait le truc au lieu de faire vite, les côtés paperasses qui rend. C'est-à-dire qu'il rend autonome l'artiste et que l'État sait que celui-là maintenant, il est en train de faire un bon boulot. Et ça passe vite à l'oubliette puisque quand on rentre déjà dans le vif de la scène, on s'emporte et on oublie de faire ces côtés-là. Je souhaite que ces artistes aussi comprennent que quand ils portent la voix d'un peuple, quand ils portent l'image d'un pays, il faut qu'ils prennent soin d'eux. Parce que d'abord, c'est eux d'abord avant de voir les autres.
Le désormais ancien sociétaire du groupe La Panthère Noire, très prisé pour son talent à la guitare solo et sa qualité de danseur de l'impérissable rythme soyoyo, a tiré sa révérence dans la fleur de l'âge après toutes les secousses traversées par le groupe depuis le décès de l'un de leurs leads, le bassiste Eddie Lobo. Il a été inhumé ce mercredi 7 juillet 2021. Arthur.